Salut tout le monde, c'est Roland soyez les bienvenus pour la première journée de la Ligue 1 Uber Eats. Ça y est, on peut le dire, le hack étant Ligue 1 Uber Eats et va jouer son premier match de Ligue 1 depuis 2009. Hein. Euh, quelle impatience en ce premier match, en ce dimanche après-midi 15h. Et oui, ça c'est la toute nouvelle case horaire de la Ligue 1 pour, pour les Ciel et marines. Exit le samedi 19h ou le samedi 15h ou le lundi 20h45. Maintenant, ce sera principalement le dimanche 15h, principalement parce que oui, on pourrait aussi jouer le, le... sur d'autres cases horaires. Alors je vais pas tous les citer parce que là, honnêtement, on va perdre du temps, mais majoritairement, ce sera le dimanche 15h pour les, pour les ciels et marines. Un match que forcément, on attend énormément et donc euh, je vais en parler d'ici quelques instants. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de, de vidéo sur la chaîne YouTube, euh, tout simplement parce que c'est passé tellement vite et que je, je suis parti en vacances euh, entre-temps. Donc euh, je vous prie de m'excuser, il n'y a pas eu de vidéo estimation classement cette année. C'était pas grave. Maintenant on va passer, penser à l'essentiel, au ciel et marine et à cette saison de Ligue 1. C'est parti D'habitude on pense au droit TV et aux horaires de la rencontre, je l'ai déjà dit, le match aura lieu en ce dimanche après-midi à 15h, le match sera diffusé sur Prime Vidéo à la fois pour le multiplex mais aussi sur une autre fenêtre le match en intégralité. Et c'est parti donc pour notre 100% hack, le premier 100% hack de la saison. Une toute nouvelle saison dit un tout nouveau chapitre dans notre histoire. Et j'ai hâte de le découvrir, ce fameux chapitre, chapitre Ligue 1. Pour la saison 2023-2024 une saison qui s'annonce sur le papier extrêmement difficile hein, puisqu'il va falloir se batailler pour un maintien en ligue 1 18 clubs seulement en ligue 1 cette année je le rappelle on a deux clubs en moins euh, ce qui va nous compliquer forcément les choses la dernière fois que le hack a été en ligue 1 c'était lors de la saison 2008-2009 le hack avait été relégué au bout d'une seule saison de ligue 1 à la dernière position alors bien évidemment, on espère ne pas revivre cela. Maintenant, on ne sait pas. On verra ce que l'avenir nous apporte et on espère de très belles choses. Et cela commence dès cet après-midi face à Montpellier, un adversaire sur le papier intéressant. C'est une équipe typique de Ligue 1, mais qui clairement n'a pas d'objectif. Comment dire? Oui, ils ont un objectif. Euh, on va pas se cacher. L'objectif de Montpellier, ce serait essayer d'aller frôler la, le, le top 10. Voilà. Après, euh, voilà, Montpellier, ces dernières années, euh, c'est une équipe un peu dans le ventre mou, euh, moyenne. Euh, parfois, un peu de difficulté pour se maintenir. Une fois qu'ils ont les points du maintien, bon, c'est tranquille. Euh, c'est un adversaire, je pense, très intéressant, en tout cas pour commencer cette saison, parce que c'est un adversaire typique Ligue 1, pas trop fort ni trop faible donc euh, c'est une équipe qui va être intéressante en tout cas pour euh, pour se jauger ça va être surtout ça se jauger parce que oui euh, on a eu des matchs amicaux on a eu quelques quelques résultats euh, dont je ne connais même pas euh, aujourd'hui les résultats par cœur puisque j'étais en vacances au moment du dernier match donc euh, j'ai eu du mal honnêtement à suivre hein, honnêtement cette cette saison du côté du du HAC mais une chose est sûre c'est qu'on s'en fout honnêtement euh, des résultats l'essentiel c'est la progression est-ce que le hack euh, va progresser en tout cas pour euh, ce match. On a eu euh, des nouvelles recrues. Euh, en l'occurrence, on a eu Sabi là, qui est arrivé il y a quelques jours. Bon, il ne sera pas là face à Montpellier. Par contre, on a d'autres recrues qui seront d'ailleurs dans, dans le groupe euh, aujourd'hui face à, face à Montpellier. Ça va être intéressant aussi de voir s'ils si apportent un plus. Parce que oui, aujourd'hui, oui, le HAC a, a créé l'histoire en terminant champion de France de Ligue 2 la saison dernière. Hein, où Personne, quasiment personne ne nous attendait à ce niveau-là. Euh, aujourd'hui, c'est, faut progresser. Parce qu'avec l'équipe qu'on a eue la saison dernière, je pense qu'on ferait pas long feu en, en Ligue 1. Il y a eu quelques arrivées. Maintenant, c'est, faut voir euh, si cela s'adapte au niveau de la Ligue 1. Si cela va suffire. Moi, j'ai espoir. J'espère que oui. Et après, bon, concrètement, pour ce match-là contre Montpellier, j'ai, j'ai rien d'autre à ajouter parce que c'est une première journée, donc on peut pas partir d'un avis négatif ni positif, tout simplement parce que les raisons sont que le match ne s'est pas, pas encore joué. Donc j'ai hâte en tout cas de, de découvrir cela. Et puis euh, et puis voilà. Bon, je tenais aussi à, à parler euh, au-delà du match où je pense avoir euh, tout développé sur ce que j'avais à dire. On, on verra ce que ça donnera sur le match. Maintenant... Euh, je voulais vous parler du maillot du hack et oui, il a été dévoilé il y a seulement quelques jours, c'était l'un des derniers, si ce n'est le dernier maillot de Ligue 1 qui a été dévoilé. Donc euh, je dois avouer que bon, moi je le trouve plutôt sympa. Euh, C'est pas non plus le top maillot, hein, pour être honnête. Euh, C'est vrai qu'il y a eu une, une réclamation pour que le nouveau sponsor Winamax euh, quitte donc la couleur rouge pour être sur une couleur blanche ou si elle est marine alternée avec les couleurs du maillot. Bref, vous avez compris. Bon personnellement moi le rouge euh, me gêne pas euh, spécifiquement, je trouve que le maillot est plutôt sympathique. Bon, le maillot blanc, là, le maillot extérieur, je pense que vous l'avez peut-être euh, vu. Hein, si vous êtes fan du hack, je pense que vous êtes intéressé à ces maillots. Euh, bon, le maillot blanc pour moi est assez, assez triste ou hein. Voilà, l'année dernière on avait euh, certainement le plus beau maillot extérieur de Ligue 2, ça c'était certain. Mais là on a un maillot euh, Ligue 1, assez... Euh, voilà, assez basique. Hein. Extérieur. Donc voilà pour un petit peu parler des, des maillots et donc euh, bah pour refermer déjà notre euh, chapitre de du 100% hack favori pronostic alors le favori c'est évidemment Montpellier hein, puisque Montpellier euh, est une équipe typique Ligue 1 alors que le Hack est promu donc il en va d'une certaine euh, logique euh, concernant euh, concernant le pronostic j'aimerais bien une victoire du Hack mais est-ce que le Hack va pouvoir chercher cette victoire cela me semble difficile je vois bien un match nul et comme j'ai envie d'avoir des buts je dirais un match nul de partout et voilà, c'est tout pour cette vidéo, cette première vidéo avant match de la saison. J'ai hâte de vous retrouver dès demain en ce lundi 14 août pour le premier euh, débrief de la première journée de la Ligue 1 Uber Eats. Donc euh, voilà, ce sera régulier. Vidéo avant match le dimanche, vidéo après match le, le lundi, ce ça, ça sera assez habituel puisque puisque ben bah, forcément changement de division, changement d'horaire aussi. Donc euh, à demain et euh, j'espère euh, une victoire des cinémarines. Allez le hack